Allez, c'est parti. Alors là, on est parti, c'est continu. Là, on vient à la Seno, il y a 5 Strokes. C'est Strokes Fair qui a demandé où il était, où il go. On a un peu beaucoup de monde. C'est les heures de pointe. Donc là, c'est l'heure de pointe. Donc, embouteillage. Alors, nous continuons. Alors, on est aux amours. On cherche une blonde. On cherche. Nous allons trouver. Une blonde et une rouge. Donc, le VIP. Un VIP qui se trouve là. Donc, on a une ville. Ah, ouais. Voilà, j'ai retiré le capuchon. Donc, à l'heure de pointe, si on surveille un peu, là, c'est un peu l'heure de pointe. Ah, voilà, excusez-moi, monsieur. Nous sommes, voilà, ici devant le VIP. C'est vraiment une scène un peu VIP. Un peu kiff. Voilà, donc, les lumières assez tamisées. Donc, si on continue un petit peu, c'est l'heure de pointe, je suis désolé, on peut pas avancer très vite. Donc ce reportage spécialement dédié à afterclub.be. Alors, afterclub.be. Alors là, c'est l'entrée que Nicolas Hulot a fait à la main. Séquence émotionnelle. Si tu passes dans l'entrée, c'est séquence émotionnelle. On va passer dedans. Vas-y Jeff. Si tu vas à Ibiza, t'es obligé de le faire. C'est On va voir Jeff passer dedans. Allez, il y a un bouchon. Comme vous voyez, tout le monde veut passer, c'est comme le pont des soupirs à Venise. Nous allons passer sur... Nous sommes dedans. Bon, là, on a une vue un peu sur un coin un peu là. C'est la casse-gueule. Voilà. Un coin un peu longi, donc il y a des lits, des fauteuils. 500 euros le lit. Voilà, 500 euros. L'argent de ma femme. Alors, nous allons voilà, quelques personnes ici un peu sympathiques qui nous font le plaisir de participer à ce reportage. Voilà. Interview. Si on continue, on passe par le glacier.